L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien au vin qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Et en effet, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Et bonjour à tous, c'est Dim. Ouais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Payday 2 et je suis en compagnie aujourd'hui de Almuth et de Lagrange. Comment ça va les gars? Impeccable. Très bien. Bon, alors on va attaquer tout de suite. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un petit magasin de diamants. Donc je vais vous lire la petite présentation. Les vitres de présentoir sont connectées à une alarme. Désactivez cette alarme et volez les bijoux en diamants. Votre chauffeur est un peu nerveux, donc faites ça silencieusement et soyez précis. Emballez tout et volons tout. Alors, je crois que là j'ai plus visu du coup. Oh putain, c'est cool, la musique s'est arrêtée. Là j'ai plus visu sur les objectifs, mais je crois qu'on récupère quelque chose comme 30 000 dollars de thunes et 6 000 d'expérience. Donc on a eu l'occasion de le faire tous les trois juste avant d'enregistrer cette vidéo et on s'est fait littéralement poutrer parce qu'en fait nous on pensait qu'il y avait uniquement un seul magasin de diamants comme magasin est mis au singulier, alors que pas du tout. Il y en a plusieurs à dépouiller, du coup on s'est retrouvé assez vite submergé par les assauts des flics et au final on a tous crevé comme des bâtards. Alors ici au niveau des trucs à ramasser, on a des colis qu'on peut trouver, on va essayer de les chercher, enfin si on tombe dessus par hasard on les ramassera. Quand j'avais essayé de faire le truc tout seul j'en avais trouvé un. Au niveau des armes, alors j'avais débloqué et je l'ai utilisé dans la précédente vidéo, le bifton, parce que je peux frapper des gens avec des billets de 100 dollars et en fait ça fait pas du tout de dégâts, donc je vais aujourd'hui m'équiper des gants de boxe de Mike Tyson que j'ai débloqué avec vous au précédent épisode. Et j'ai envie de dire, on est parti les gars ? Ça marche, c'est bon, on y va. On y va, donc on s'est équipé quand même d'un gilet pare-balles. Moi j'ai pris l'un des meilleurs, je crois que c'est avant-avant-dernier. Il manque les genouillères. Et puis voilà, donc les RK comme il commence le jeu, il a... Donc ça je vous rappelle, hein, c'est la... C'est comment dire, c'est le taux de discrétion, donc plus ce chiffre est élevé, moins vous êtes discret. Voilà, tout simplement. Si par exemple, je prends sans gilet, sans rien, ben vous voyez, j'ai pas validé, du coup ça a pas marché. Mais bon, c'est pas grave, on attaque les gars. Allez, c'est parti. Ok, donc on a popé. Alors, je vais réaugmenter juste un petit peu le son de la musique. Je pense que là, ça devrait être nickel. Donc on connaît un petit peu maintenant, du coup, le coin. On a eu l'occasion de le faire une fois, mais c'est pas dit qu'on va s'en sortir nickel. Donc, on va avoir cette grosse bijouterie à, grosso modo, éclater, où on va pouvoir récupérer à peu près 2 sacs. Et on va avoir également, le concessionnaire de bagnole avec le mec pas discret devant qui regarde comme un chien de la casse, qu'on va devoir dépouiller aussi. Et j'essaie de voir si dans le coin, il n'y a pas d'autres boutiques, les gars, mais je crois qu'il y a que ces deux-là. Hein. Ouais, mais je pense qu'il devait y rester des bijoux en face, mais avec la grosse mitrailleuse, impossible de le récupérer sans faire déglinguer le fion. Ouais, peut-être. Bon, bah écoutez, on va faire comme on avait fait la première fois, on va passer derrière, parce qu'aujourd'hui on va devoir être... on n'a pas trop les... Avance pas plus, hein. Te colle pas à eux. Ils te repèrent pas ? On va le laisser sortir tranquille, hein. Non, mais c'est des civils. Ils s'en cognent ? Ils s'en cognent ? Oh, ils sont non, ils sont con de mon cul. À l'intérieur, non, mais à l'extérieur, oui. Ok. Bon. Donc là, on passe par derrière. On a une première porte ici qu'on a la possibilité d'ouvrir. Et on en a une deuxième qui est en haut de l'escalier où il y a une caméra posée juste devant. Et je crois que la première fois, elle était pas là, la caméra. Ou alors, j'en ai vraiment pas fait gaffe. Non, c'est pas là. Elle était pas là. Oh putain, les mecs, ils nous... Je propose de refaire ici, comme ça, on clique le mec des caméras. Non, ce qu'on va faire, c'est que Lagrange, tu vas partir tout seul sur le magasin de bagnole à côté. Ok. Parce que s'il y a une perceuse comme ça, tu pourras rester là-bas et être en bootcamp. Et puis, donc va directement. Et t'attends devant. Et puis, quand je mets le masque, tu mets le tien. Et t'essaies de le mettre au moment où il n'y a pas trop de gens dans la rue. On essaie de se coordonner. Et puis, nous, avec Almuth, on va. Moi, je serais quand même. Ouais, il y a une caméra. Je sais pas trop si on peut tirer dessus direct.
À la limite, ce qu'on fait, c'est ici, on nique le mec de la caméra, on n'ouvre pas la porte directe qui mène à la bijouterie, on ressort et on repasse par en haut. Ça marche. Allez, c'est parti. Merde, Lagrange, t'étais prêt ? Ouais, je suis prêt, j'attends. Allez, c'est parti. J'enfile le masque, hein. Mais je sais pas si ça l'enfile automatiquement. Ah, attention. Ah, le mec qui nous voit travers les murs aussi. C'est possible, hein, si c'est un bug. Hein. Lagrange, fais gaffe, tu te fais repérer par un autre type. Ouais, je l'ignore à terre. Le deuxième. T'en as un autre, hein. Un peu plus loin. Il se barre. T'as tué les genoux. Ok. Je réponds au beeper. Ok, nickel. Ouh, parfait. Ça a l'air d'être pas mal clair. Fais gaffe, il y a un mec qui arrive dans la ruelle. Ouh, les keufs, ils sont en alerte. Oula. Comment ça se passe, les gars? Ah, je suis avec la perceuse. Oh, ce qui s'est fait repérer? C'est la perceuse qui les alerte. Ah, merde. Ah oui, les mecs, la perceuse, ils les entendent. Bah du coup on est obligé d'ouvrir Almut et puis on va niquer le camp. Enfin on va tout prendre, hein. Donc on prend en priorité tout ce qui se tient devant le magasin. Bon bah c'est mort. Bah oui parce qu'il va y avoir un assaut. Un civil a vu un criminel et a appelé la police. Attends, si on ouvre pas ici on peut... Ouais, si on a plus le temps, faut qu'on prenne le max avant l'assaut. Allez viens. Bon, on prend ce qui est devant en premier, comme ça s'il y a une grosse mitrailleuse, ce sera fait. Ah ouais bah ouais, oh putain, avec mes gants de boxe, je mets des uppercuts. Je mets les sacs là où il y a les... Les keufs arrivent. Putain, ils sont là. Enfin, j'ai déjà pris trois sacs. Je suis en train de tout péter. C'est l'assaut là? Pas encore. Nice. Oh bah voilà, ça y est, t'en parles, ça y est. Ouais, j'ai porté la poisse. Moi j'ai 3 sacs. Je sais pas si quelqu'un a un sac. Je sais pas combien j'en ai, mais. Ah si, t'as un sac, mets-le dans le. C'est là où il y avait les. Almut, tu me couvres? La caméra. Ouais, me tire dessus. Couvre-moi Almut, hein. Je récupère ceux sur les côtés parce que sinon on va être niqué avec. Ouais, dès qu'il y aura une grosse mitrailleuse, ça va être la merde. Ouais. Tac, bah si y en a une en fait, parce que c'est pas sûr. Bah si elle est là. Bah si elle est là. Putain. Bah, si, j'en porte la poisse. Je sais pas comment on se la fait cette. Ah, je me fais buter moi, tu sais. Tu t'en sors Almut? Ouais bah contre la grosse mitrailleuse, je peux pas faire grand chose. Je suis presque mort, je vais monter en haut pour mettre. T'es sérieux? Protège-toi, Lagrange. Ouais. Ouais, mais il me reste 5%. Je redémarre la perceuse, mais il y a l'assaut sur moi. Il y a pas de coffre en haut. Almut, tu peux aller t'occuper de Lagrange, je reste tout seul ici, je me débrouille. Ok. Faut que tu lui donnes un truc de vie. Ah, ils reviennent. Là. Ça va les gars? Ouais, c'est dur. Bon, tenez le coup. J'ai crocheté la porte. Ah, ils m'ont abattu. J'arrive. Almut va te redonner de la vie de toute façon. Ok, moi je temporise. Ah oui, c'est pas dans le truc. J'ai 3 sacs. Aïe. Ah putain, je me suis bien vu, je me suis fait bien. La merde. Je suis à terre. Ah, je suis mort. Ah, oh, vous êtes sérieux, les gars? Ah ouais, il y avait tout le monde sur moi, là, j'étais seul. Ah, le truc était blindé de moi. Oh là là, DRK arrêté, putain, j'y crois pas. J'étais seul, je suis dans une voiture. Ah.
On fait le taf, Almut, hein. Ouais, ouais. Ah, il reste un. Deux. Je dépose un sac de mini ici. Ouais, je redémarre la perceuse. Pour moi. Non, il va falloir que tu te débrouilles. Ok. Faut que tu te débrouilles. Faut que je reparte dans la deuxième et que je ramène les sacs ici, j'ai pas le choix. Allez, hop. Là. DRK, t'as possibilité de revenir ? On dirait qu'il y a le délai d'ange, il est dans 6 secondes. D'accord, super. Ça va. Ah putain, perso, ce qu'il y a. Arrête de prendre des persos de discount, ça, les mecs. Hein. Ouais, c'est clair. Je fais comment pour revenir là ? Si le délai est dépassé ? Normalement, tu reviens auto. Auto, je pense. Ah bon, je dirais pas. Ah si, 30 secondes. Est-ce qu'il y a des sacs à récupérer quelque part, les gars ? Ici, il y a des sacs. Il y a deux sacs ici, il y en a trois là-bas. Ouais, j'en ai ramené deux ici. Sacs, là. Ils sont où les autres ? Ah, ça y est, on peut. Oh là là, je prends tellement cher. Oui, oui, on peut se barrer, mais. J'ai commencé à remettre à ramener les sacs. Hop, un sac, aïe ! Et... Ah merde, on a délaissé une perceuse. Il y a un assaut, ouais. Il y a une perceuse ici aussi. Très fini. Au niveau des sacs, on est bon. On veut juste tenir par contre maintenant. Je m'en occupe. Prends les sacs et ramène-les dans la boutique de bagnole, parce qu'elle est juste à côté de la sortie. On commence à évacuer les gens. Ah, c'est bon ça. Almut, tu restes à l'intérieur, j'ai pris le dernier. Non, il y en a encore un là. Hop, j'ai le sac. Bon, les keufs, ils ont récupéré un sac. Ah, sérieux ? Ouais, il y a un sac là-bas. Ah, bah, faut que quelqu'un reste à côté des sacs là, du coup. Attends, je vous en ramène un. Hop. Je vais récupérer le dernier. Et. J'ai sur le dos. On essaie d'attendre que la perceuse ouvre le dernier coffre hein, avant de se barrer. Ok. Merde. Ah, ça c'est quoi ? Ah, il y a le sac là. Je retourne à la perceuse. Hop là. Essayez de me couvrir de loin, les gars. Avec Med ici. Je vais voir dans la bonne voiture si c'est ouvert. Ah oui, c'est ouvert. Là, ça a été pris. La perceuse est bientôt terminée. Je suis en train de la redémarrer. Ça, j'arrive. Putain, heureusement que j'ai pris un bouclier lourd. Que je sais. Parce que là, je me fais tirer dessus. Par quoi d'ailleurs, je sais pas. Ok les gars, donc petite tension, excusez-nous si on n'a pas trop parlé, on essaie de le faire correctement et de s'en sortir et pas repaumer comme des bouffons. Putain, mais je me suis tiré dessus partout. Ouais, j'arrive. Ouais, ça arrive par ici. Ah, ça arrive par derrière. Ouais. Comme il me reste de temps dessus. En 10 secondes. Ok, tu couvres cette sortie, Almut, moi je couvre l'autre. Ouais. Allez, reste à terre, j'ai dit. C'est ouvert. C'est bon. On se tire. Oh putain, je suis tellement lourd là, je peux pas courir. Protège-moi, Almut. Ouais, ouais, si. Couvre notre sortie DRK. Ah, j'ai plus de balles. Oh, si, ça y est. Poil. T'arrêtes pas, Almut, hein. Allez, on se tire, les gars. Parfait. 37 000 en plus. 37 500. Yes, yeah. Ah, c'est bon ça. Putain, bien joué. Alors, combien on a récolté de thunes? 82 000, bonus tous en vie 15 000. Oh, c'est le pactole, hein, les gars. Ah. Quel niveau, là, disponible. Plus 48 000. Eh bah, parfait. Alors, est-ce que j'ai gagné un niveau? On a gagné un bonus parce qu'on était tous en ville, 1200 en expérience. Niveau 26. Débloquer de nouvelles armes dispo à l'achat.
Bah voilà, niveau 26 pour moi, Lagrange. Ah, presque niveau 7. Alors, meilleure précision, Almut avec 26% de précision. Autant te dire qu'on était carrément sur du haut niveau. À 26%, il y a respect. Il y a respect. Plus haut nombre de forces de victimes des forces spéciales, Dim avec 0, j'ai pas compris pour ça. Pourquoi ? Équipier hors de combat, 2 précisions de tir de l'équipe, 22% les gars, bravo. On s'applaudit les gars. Voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors on va quand même terminer par les petites cartes, comme d'habitude. Alors moi je suis bon qu'à gagner des masques en général. Ah non, j'ai débloqué. C'est quoi ça ? C'est une arme ? Ah oui, c'est des améliorations d'armes, d'accord. Pour la machine gun, que je n'ai pas a priori. Et vous, du pognon pour Almut et une petite visée parce qu'il vise mal pour Lagrange. Ouais, ça... il a vu tes stats, il t'en a proposé une directe. Oh là, attends, mais Almut, 90 000, t'as eu plus que sur tout le braquage, là. C'est ça. C'est ouf, ça. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode pardon, vous a plu. Le petit commentaire, le petit j'aime si c'est le cas, le petit abonnement si c'est pas encore fait. À très bientôt tout le monde. Ciao, les gars. Salut à tous. Et bonne journée à tous.